Méga retour de course Intermarché et Netto pour le mois, c'est maintenant. Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier retour de course du mois de février. Donc, le mois dernier, j'ai terminé le mois approximativement aux alentours des 600 euros, 610 euros. On a fait une soirée Faritas, j'avais rien, on est allé acheter Faritas. Et comme je vous dis, j'avais des petits invités. Donc là, on n'a pas eu pour bien cher, mais on a fini le mois aux alentours des 600, 610 euros. Donc, j'espère faire mieux ce mois-ci. Je pense que je ferai mieux, puisqu'il y a des choses que je n'ai pas achetées là, que j'ai déjà. Par exemple, de la lessive, il me reste un bidon et demi, donc je n'ai pas racheté. Le papier toilette, j'ai acheté un maxi format le mois dernier, bon. Meuble de WC est plein, donc je n'ai pas racheté. Si jamais je trouve une promo, j'en rachèterai. Mais voilà, je n'en avais pas besoin dans l'immédiat. Et j'ai été à Intermarché. J'ai fait un drive et je suis allée à Netto aussi parce qu'il me manquait des choses. Et il faut savoir que dans mon drive, il me manquait un lot de gâteaux petit écolier. Il y avait un lot de 9 paquets en promo, il n'y en avait plus. Et il me manquait aussi un paquet de penne. Et là, je ne l'ai pas racheté en 1 kg, mais je le rachèterai la semaine prochaine ou dans 15 jours, puisque le mois dernier, j'avais fait un petit appoint tous les 15 jours. Donc, c'est parti, je vais commencer par Netto. Donc, j'ai pris des œufs plein air par 12, puisque ça va être la chandeleur. Ensuite, j'ai pris des brosses à dents pour les filles, renouvelées. J'ai pris un cappuccino comme ceci au chocolat de la marque Netto. Je ne sais pas ce qu'il vaut, donc on verra bien, on va tester. J'ai pris un rouleau d'adhésif multi-usage marron comme ceci, de scotch, pour emballer des colis parce que je suis en train de vider mon Vinted. Donc j'ai pas mal de colis qui partent. Si jamais vous voulez des vêtements bébé, fille, à petit prix, voire femme en taille S, voire M, vous avez mon Vinted en barre d'infos. Ensuite, j'ai pris pour le coup des gâteaux comme ceci par 3, petit prince. J'ai un chat qui est fou. C'est son quart d'heure de folie. J'ai pris des gâteaux comme ceci aussi pour le coup. Ensuite, j'ai pris des mouchoirs parce que ça, c'était en promo. Il y avait un acheté le deuxième à moins 60. Donc j'en ai profité parce que, comme vous le savez, pour ceux qui suivent toutes mes vidéos, on a été énormément malade. Tout le mois, tout le monde. Donc voilà, j'ai repris ça. Ensuite, j'ai pris du dentifrice pour les filles. J'ai pris une brandade de morue pour ce midi, puisque les filles ne mangent plus à la cantine. Et ce, jusqu'à nouvel ordre. Je les récupère le midi. Donc voili voilou. Donc maintenant, je les récupère à 11h20. Et je les ramène à 1h20. Ensuite, à Netto, j'ai pris deux paquets de mouchoirs aussi comme ceci pour la maison. Et donc voilà, j'ai pris brandade pour manger ce midi. Puisque le temps que je filme la vidéo, le temps que je range mes courses, et bien il sera l'heure pour aller récupérer les filles à l'école. Et il me reste du repas de ce hier soir, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc je vais mettre gentiment au congélateur. Et ensuite, à Netto, ben, dit brandade avec du pain. Donc j'ai pris une baguette. Ensuite, on va passer à Intermarché. Je vais prendre ce qui est devant moi. Donc, déjà, à Netto, j'en ai eu pour 26 euros. Donc, à Intermarché, j'ai pris un bidon de 5 litres de vinaigre blanc. Ensuite, j'ai pris un brocoli. Et c'est bien parce qu'il est quand même assez gros. Ensuite, j'ai pris deux savons sur gras, le petit marseillais à l'huile d'amande douce, main et corps. Comme ceci, il y en a deux. Le fin de savon que j'ai utilisé, je le trouve bien du mois dernier, je le trouve bien. Cependant, enfin, j'ai toujours l'habitude, moi, quand je me lave au gel douche, d'avoir la peau toute douce après. Là, forcément, t'as pas, ouais, t'as pas la peau toute douce après, mais il n'y a pas eu de sensation de sécheresse ou que certains gels douche peuvent donner. Donc c'est plutôt cool, les gens, on est à la moitié du pain là. Donc j'en ai repris deux. Au petit marseillais, j'essaie de tester un peu toutes les gammes, même si vous m'avez dit de tester le dog, j'essaie quand même de tester un petit peu toutes les gammes. Ensuite, j'ai repris un ketchup parce qu'il n'y en avait plus. J'ai pris un chipster, il me semble qu'il n'y en a pas que un, il me semble qu'il y en ait deux ou trois, parce qu'il y avait une promo.
Donc voilà, si jamais je retrouve, pour l'instant j'en ai deux, mais il me semble qu'il y en avait trois. À voir. Ensuite, j'ai pris des danettes au chocolat, comme ceci, mes versions pâturage Intermarché. J'ai pris au chocolat aussi, j'en ai pris deux. Je regarde la date, c'est bon, ça va jusqu'à la fin du mois. Le troisième paquet de Chipster est là. Ensuite, j'ai pris 4 tiramisu. J'ai pris des compotes pommes-poires, j'ai pris 2 paquets. J'ai aussi pris 2 pommes nature. Normalement, il y a 2 pommes bananes qui doivent traîner dans les parages. Ensuite, j'ai pris des sacs poubelles avec lien en 100 litres. Par contre, c'est mis un petit peu n'importe comment, rangé un peu n'importe comment. Donc, j'ai pris des chipolatas aux herbes par 6 x 2. J'ai pris de la mayonnaise en tube dite légère. J'ai pris de l'aioli. Ensuite, j'ai pris de l'huile d'olive. J'ai pris du desktop comme ceci. Ça peut toujours servir, j'ai envie de dire. J'ai pris des croquettes pour le chat, mais un petit paquet cette fois. Donc j'en ai encore, hein, mais voilà, c'est pour. Je pense pas qu'au mois de mars je rachèterai. Enfin, à voir. Ensuite, j'ai pris des épices. Donc j'ai pris du cumin. J'ai pris du laurier. Et j'ai pris du gingembre en poudre. Et j'ai aussi pris un petit. Je le pensais beaucoup plus grand. Une crème de cirage incolore, nourrit, fait briller, ravive les couleurs. C'est pour... j'ai trié mon dressing dans ma vidéo de dimanche. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous en êtes allé sur la chaîne. J'ai trié tous les dressings de la maison. J'ai fait un marathon où j'ai trié tous les dressings de la maison, dont mon dressing et celui de mon mari. Concrètement, j'ai une veste en cuir, mais véritable cuir. Ou forcément quand tu as une salle d'eau dans la maison, tu as de l'humidité et donc il y a plein d'humidité dessus, voire de taches de moisissure. Et on m'a dit d'utiliser du cirage incolore. Donc j'en ai acheté, je pensais le pot beaucoup plus gros et donc c'est pour nettoyer tout ça. Ensuite, j'ai pris de la litière pour le chat Katsan. J'ai pris des cracottes comme ceci, les filles adorent. Donc j'ai pris 3 paquets pour moi. Parce que ça part hyper vite. J'ai pris, je pense pas qu'il y en avait deux, j'ai pris du chocolat. J'avais demandé une tablette, mais j'ai pas vérifié. Ce qui est chiant avec le drive d'Intermarché, c'est qu'il faut à chaque fois vérifier parce que sinon ils rajoutent un article souvent à certains endroits. Et ça, je l'ai remarqué. J'ai 2 tablettes de chocolat Raffaello. Ben, c'est pour moi. J'ai pris aussi du pain de mie. Normalement, il y a 3 paquets parce qu'il y avait 2 achetés, un troisième offert, je crois. Donc du pain de mie sans croûte, parce que j'en ai marre d'enlever la croûte à chaque fois pour les filles. Donc pain de mie sans croûte comme ceci, il y en a 2, c'était en promo, et normalement il y a un troisième qui traîne. Ensuite, j'ai pris des tagliatelles. J'ai aussi pris des pâtes top budget, je ne sais pas ce qu'elles valent celles-là. En tout cas, celles des Lidl, elles sont super bonnes, en 1 kg. C'était en promo des haricots rouges mais secs à cuire. Donc c'était en promo, il y avait ça, il y avait haricots lingots, il y avait haricots coco et il y avait aussi des pois chiches en promo chez Intermarché pour ceux qui cherchent. Ensuite, j'ai pris 2 sauces bolognaises. J'essaie de faire moins de pâtes bolognaises. J'ai pris des tortillas aussi en 1 kg. Ensuite, j'ai pris un petit paquet de ricola à l'eucalyptus. Ça, c'est super bon quand on a mal à la gorge. Voilà. Ensuite, j'ai pris des gels douche. Donc, nous avons un gel douche grenade et melon, gel douche huile d'argan et rose. Donc, ça, c'est pour les filles en ce moment, puisqu'on est passé sur le pain de savon pour nous, mais pas pour les filles. J'ai pris un vanille et beurre de karité et un label hydratation intense pour peau délicate, comme ceci. Ensuite, en surgelé, j'ai pris des poireaux émincés. Et j'ai pris des haricots verts comme ceci. Et j'ai aussi pris un petit sachet de frites plastiques. J'ai aussi pris un petit pack de lait demi-écrémé. J'ai pris
un sachet de 1,5 kg de pomelo à jus. Mais bon, moi, c'est pour les manger comme ça. Ensuite, j'ai pris une cuisse de dinde à 5,29 € le kilo, comme ceci. J'ai trouvé que c'était pas cher. Ensuite, j'ai pris des pilons de poulet, comme ceci. Il y a 1 kg aussi, c'était pas cher non plus. Je sais plus ce que c'était comme prix, mais c'était pas cher. J'ai pris aussi des aiguillettes de poulet et des escalopes de dinde. Donc j'essaie d'acheter beaucoup plus de viande blanche, surtout pour mon mari, puisqu'il a beaucoup de cholestérol et il faut faire diminuer tout ça. J'ai repris 1 kg de poivre. Et le dernier sac, donc j'ai encore j'ai un shampoing. Donc chez Intermarché en ce moment, ils commencent les promos beauté. Donc moi j'ai pris un shampoing Aloe Hydra Bomb, shampoing hydratant 72 heures d'hydratation à l'acide hyaluronique, cheveux normaux à déshydrater de chez Fructis. Donc c'est pour les filles. J'ai déjà un shampoing qui est, on va dire, presque terminé. J'ai encore un shampoing qui est encore tout neuf. Et donc j'en ai racheté un. Et je referai les promos beauté ailleurs pour refaire mon petit stock. Parce que mon stock de l'année dernière, eh bien, m'a servi pour toute l'année, pour le coup, en termes de shampoing. Ensuite, j'ai pris donc de la truite fumée comme ceci. J'ai pris du blanc de dinde comme ceci. Et j'ai pris du blanc de poulet aussi en 4 tranches. Le troisième paquet de pain de mie est là. D'ailleurs, je n'ai pas regardé la date. Il faudra le manger tous les matins. Voilà. Ensuite, j'ai pris des champignons en 500 grammes. J'ai pris un Nocio Lata. C'était en promo, la même promo qu'à Leclerc la semaine dernière, 1,97 €. Ensuite, j'ai les deux compotes pomme-banane ici. J'ai aussi de l'infusion, c'était en promo. Toute la gamme Clipper était en promo, infusion, thé, détox, tout ça. Et franchement, je vous la recommande, cette gamme, elle est vraiment top. Moi, j'ai pris infusion citron-gingembre, j'aime bien prendre ça, soit après le repas, soit à 4 heures. Ensuite, j'ai pris des jus. Donc j'ai pris 4 bouteilles de 1 litre de 100% jus d'orange sans pulpe. Je ne suis pas partie sur des filets d'orange, tout simplement parce que ça coûte hyper cher. C'est redevenu à un prix absolument pas tolérable pour ma part. Et voilà, avant on te disait qu'avec 2 oranges, tu avais un jus. Concrètement, avec 2 oranges, tu n'as même pas un demi-verre, quoi. Il faut au moins une dizaine d'oranges pour avoir un verre complet. Donc voilà, j'ai acheté du jus pour voir si au niveau du prix, au niveau de la balance, si ça réduisait mon budget ou pas. Et j'ai aussi pris un pack d'eau gazeuse et 5 packs d'eau. Je vous ai demandé votre avis pour filtrer l'eau. J'ai clairement pas cherché puisque j'ai été malade. Donc je me pencherai sur le sujet courant février. Donc on en a eu pour 150 € et des brouettes à Intermarché pour le mois, donc je trouve ça raisonnable. Donc là, si je devais refaire l'appoint dans le mois, ce serait uniquement en fruits et légumes, produits frais et mon paquet de penne qui me manque parce que mes filles sont grêtes dingues de penne et j'en ai plus en stock derrière. J'en ai là entamé, mais pas de paquet en stock dans mon garde-manger. Donc moi, je trouve que c'est plutôt bien. C'est assez raisonnable parce que j'ai vraiment de tout. J'ai des fruits, j'ai des légumes. J'ai... Il me manque mes bananes d'ailleurs. Il me manque des bananes. J'avais demandé des bananes et je ne les ai pas. Donc il me manque des bananes. Des fruits, j'ai des légumes. Il me manque mes bananes. J'ai des surgelés, j'ai de la viande. J'ai vraiment de tout pour 150 € et je trouve ça plutôt correct. Dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc sur ces belles paroles, comme d'habitude, je vais ranger tout ça, je vais vérifier sur mon ticket où sont mes bananes. J'ai commandé des bananes bio en plus, et sinon je vais appeler Intermarché pour me dire qu'ils ont encore oublié un article dans mon panier, ce qui est
souvent, malheureusement, mais je n'ai pas le choix. Moi, le drive, c'est vraiment un gain de temps, sinon je passerai ma matinée clairement dans le magasin et c'est pas possible. Donc, je vais ranger tout ça. Je vais aller récupérer mes filles et pour me permettre de savoir qui c'est qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à mettre en commentaire le mot Intermarché. Et sur ces belles paroles, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Ciao.